qui sent. Ça, c'est ce que les gens voient, et ça, c'est ce que moi, je vais...
sans micro. D'abord, les amis, je voudrais remercier infiniment EFACTA. Bravo! Ils sont top de chez top parce qu'ils mettent en vie un principe qui est fondamental, c'est qu'on ne va pas se laisser arrêter par la pandémie, on ne va pas se laisser arrêter par le confinement, par les couvre-feux, etc. Notre foi n'est pas confinée et ils le montrent. Merci beaucoup. Amen. Voilà, ils sont vraiment super. Alors, on m'a demandé de vous parler de la famille. Comment est-ce que les chrétiens sont une famille, c'est ça? Bien. Alors, lorsque Marie-Noël m'a demandé de vous parler de ça, je me suis dit, la première question que j'ai envie de me poser, c'est quoi une famille? Et je n'ai pas besoin de ça. Non. C'est quoi une famille? En fait, je vois, ça va comme ça? Je vois deux réponses possibles à cette question. La première, c'est des gens qui partagent le même papa et la même maman. Et puis, la deuxième réponse, c'est des gens qui font vivre la vie commune qu'ils reçoivent dans leur histoire. Voilà, ils partagent quelque chose en commun et ils le font vivre en commun. Voilà ce qui me semble être une famille. La plupart du temps, quand on pense famille, on pense d'abord famille de sang. Mais en fait, la famille de sang n'est que l'image ici-bas d'une famille qui est beaucoup plus initiale, qui est beaucoup plus en amont. Voilà. Et c'est la famille que Dieu, notre Père, a constituée en créant l'humanité. Voilà. Les familles de sang ici-bas ne sont que l'image de la famille que Dieu a voulu créer. C'est pas l'inverse. Souvent, en fait, on prend la famille de sang comme référence et on se dit, par analogie, nous sommes une famille. Mais c'est l'inverse. Nous sommes d'abord les enfants d'un même Dieu, Père créateur, et c'est cette paternité de Dieu qui nous rend familiers les uns aux autres. Et donc, nous pouvons reconnaître à leurs parents, dans la famille de sang, des analogies avec la famille spirituelle que nous sommes. Bien, une fois que j'ai posé ça, il nous faut réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que c'est avoir un père, et aussi qu'est-ce que c'est avoir une mère. Un père, c'est quelqu'un qui donne la totalité de ce qu'il a en lui à un être qu'il fait ainsi exister et grandir. Le don de lui-même fait exister un être et grandir un être. Et voilà pourquoi nous savons qu'en étant créateur, Dieu est Père. Parce que tout ce qu'il a en lui, il ne cesse de le donner pour que nous puissions ainsi vivre et grandir. Et simultanément, en créant les êtres humains, il a créé un certain nombre de personnes qui sont toutes différentes les unes des autres, manifestant ainsi qu'en lui-même, il y avait une différence. Et de fait, les chrétiens reconnaissent qu'il y a en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire trois personnes qui sont bien distinctes les unes des autres, mais qui ne cessent de s'aimer. Et donc, en posant un acte créateur, le Seigneur lui-même a posé les conditions de la création, à savoir qu'il fallait que dire que les différences s'unissent pour pouvoir vivre dans l'amour. Et donc, ces différences, il les a constituées sur la terre aussi. Et nous nous rendons compte que tous les êtres humains que nous sommes très différents. Et c'est la correspondance de ces différences, c'est l'accueil et le don qui se vit dans ces différences, qui nous rend capables de donner la vie.
Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a aussi une loi fondamentale qui est inscrite au cœur de l'humanité, c'est la complémentarité des différences, et notamment de la différence fondamentale qui est la différence sexuelle, c'est dans cette différence-là que se constitue la vie. Voilà. Et quelles que soient les options sociétales qui sont faites aujourd'hui, ça, on ne pourra jamais revenir dessus. Ce qui crée la vie, c'est l'association de deux différences. Vous voyez ? Mais ça nous renvoie au fait que nous sommes différents, l'humanité et Dieu, et que pourtant nous sommes capables de nous aimer, et que de cet amour naît une vie qui va sans cesse se prolonger aussi au travers de cet amour que nous allons vivre avec Dieu. Voilà, donc cette union de différences, nous la retrouvons dans l'humanité aussi, au travers de l'union de l'homme et de la femme. Vous voyez, cette familiarité, elle peut donc exister dans l'humanité de la même manière qu'elle existe en Dieu. Mais elle ne peut pleinement exister que si elle se relie sans cesse à Dieu. Et voilà pourquoi nous invitons l'homme et la femme à s'unir dans la sacramentalité du mariage. Parce que c'est cette sacramentalité qui nous renvoie à l'image initiale de ce qu'est la famille, à savoir Dieu lui-même. Donc, un père et une mère. Alors, on n'a pas deux dieux. On n'a pas trois dieux, le père, le fils, le Saint-Esprit, on n'en a qu'un seul, constitué de trois personnes. Mais il n'y a pas non plus deux dieux, un principe paternel et un principe maternel. Mais comme le Seigneur nous a créé dans cette différence, et notamment dans la différence sexuelle, il s'est donné à lui-même une mère. Et par là, nous a donné une mère. Voilà pourquoi nous reconnaissons que nous avons au ciel à la fois le Père créateur, mais aussi Maman Marie, comme l'aime à la paix beaucoup de mes frères antillais, sous-marins, africains. Maman Marie, voilà, celle qui est au ciel, celle qui a été associée à la gloire de Dieu, et qui nous a été donnée comme mère aussi, et qui renforce encore cette capacité de comprendre qu'ici-bas, nous vivons la familiarité de la même manière qu'au ciel elle est vécue entre Dieu et ses enfants qui sont les êtres humains. Voilà, un père, une mère. Un père et une mère, ils donnent ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes pour faire surgir la vie et faire grandir la vie. Et voilà pourquoi, de la même manière que nous nous adressons sans cesse à notre Père du ciel et à notre Mère du ciel, pour lui dire « Donne-moi ce qui me permettra de devenir un être libre et responsable », et bien de la même manière, dans la famille, doit pouvoir se vivre cette relation aux parents, qui n'est pas une relation de soumission, nous ne sommes pas soumis à nos parents, au sens où nous serions leurs esclaves, mais une relation d'autorité, c'est-à-dire que, on va laisser passer la sirène, c'est-à-dire que les parents ont reçu autorité sur nous, c'est-à-dire qu'ils ont comme mission de nous donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions grandir et nous épanouir. C'est ça, avoir autorité, c'est être auteur, auteur de vie. Voilà. Donc nous comprenons dans la relation que nous avons à Dieu, quelle est la relation à laquelle nous sommes invités entre parents et enfants. Et de la même manière que nous pouvons attendre de nos parents le meilleur de nous-mêmes, de la même manière, nous sommes invités à avoir pour nos parents ce respect que nous donnons au ciel. Évidemment, nos parents ne sont pas Dieu. Et donc, il est sûr que dans leur fragilité, comme dans notre fragilité, cette relation idéale que nous voyons entre l'homme et Dieu se vivra de façon un peu asymétrique entre nous et nos parents. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut simplement garder cette idéale relationnelle avec nos parents en regardant vers le Seigneur, qu'est-ce que j'attends de lui et qu'est-ce qu'il attend de moi. Voilà, relation donc entre des parents et un enfant, un père et une mère. Nous avons dans notre expérience cette reconnaissance aussi qu'il existe plusieurs éléments qui nous font grandir. À la fois il y a des éléments un peu, j'allais dire, froids, rationnels, mais qui sont bons. Ce n'est pas parce que c'est un peu froid ou simplement intellectuel que je ne serai pas bon. Il n'y a pas que l'émotionnel qui compte dans la vie. Voilà. Mais nous avons aussi besoin que notre corps soit nourri d'émotions, de tendresse. Et voilà pourquoi il y a aussi, dans cette relation à nos parents, une relation qui parfois est plus de l'ordre de la force et du conseil un peu froid, et en même temps cette relation
Et voilà pourquoi aussi, il m'arrive d'entendre les paroissiens dire oh, « Moi, je préfère prier Marie, je me sens plus proche d'elle. » Voilà, moi, je n'en veux pas. Et Marie non plus, d'ailleurs, parce que de toute façon, le rôle de Marie, c'est toujours de conduire à Dieu. Donc, elle accueillera ça avec beaucoup de tendresse aussi, et elle nous permettra d'avancer vers le Seigneur. Voilà, relation parents-enfants. J'ai encore combien de temps? C'est tout? Bon, on va faire avec 5 minutes. Deuxième élément que je vous ai dit, prendre ensemble soin d'un bien qui nous est commun. La famille est le premier lieu où on peut expérimenter le bien commun. Le bien commun, ce sera par exemple le logement qu'on partagera. Ce sera la vaisselle dans laquelle on mangera. Ce sera les différents objets qu'on utilise au quotidien. Voilà. Prendre soin les uns des autres, c'est commencer par prendre soin de ce qui nous est commun aux uns et aux autres. Et simultanément, prendre soin aussi de ce qui constitue notre différence, et cette différence qui vient enrichir la communauté. Vous voyez ? Donc, à la fois dans la famille, il faut être attentif à ce qui constitue notre unité et à ce qui constitue notre diversité. Et de la même manière, dans l'Église, nous allons prendre soin de ce qui constitue notre unité, à commencer par l'acte de foi, le credo. Voilà. Donc, comment est-ce que nous apprenons mutuellement la foi de l'Église dans le respect rigoureux de sa vérité doctrinale. Voilà. Comment est-ce que nous prenons un soin tout particulier à nous transmettre la vérité de ce bien qui nous est commun et qui est la foi de l'Église. Et comment est-ce qu'en même temps, à l'intérieur de cette famille, nous prenons soin de la diversité des personnes qui constituent la famille. Et c'est ainsi qu'il est très important de pouvoir nous accueillir mutuellement dans la diversité de nos histoires et de nos personnalités. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des intellectuels, il y a des manuels, il y a des musiciens, il y a des doctrinaux, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des... Voilà, il y a tout ça. Et tout ça, ça a sa place. Et chacun, dans sa particularité, peut servir le bien. Ça, c'est un esprit familier. Ce que nous vivons dans l'Église, nous sommes invités à vivre aussi dans nos familles personnelles. Comment est-ce que nous prenons soin du bien commun? Est-ce que nous prenons soin de la place de chacun à l'intérieur de la famille? Prendre soin de chacun dans ses particularités, c'est accepter aussi que dans sa différence, l'autre va parfois être agaçant. Il y a une espèce d'ascèse de la fraternité. On ne peut pas être sûr que nous pourrons vivre en frères et sœurs et que tout se passera toujours bien. Non, il y a des fois où l'autre va nous bousculer, soit parce que son positionnement est très différent du nôtre, soit parce qu'il fait des bêtises. Mais dans un cas comme dans l'autre, lui donner toute sa place est essentiel. Et plus nous vivrons ça à l'intérieur de nos familles humaines, plus nous comprendrons plus nous vivrons ça dans notre famille ecclésiale, plus nous comprendrons aussi comment le vivre à l'intérieur de nos familles humaines. L'inverse n'est pas fait. Voilà. Plus nous chercherons à vivre dans nos familles humaines, plus ça nous permettra de vivre aussi dans nos familles ecclésiales. Voilà, je vais avoir épuisé mes minutes, j'imagine. Simplement, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que notre pape François a décidé de consacrer l'année prochaine, l'année qui s'ouvre, voilà, il a fait ça le 8 décembre par une belle lettre, l'année qui s'ouvre à Saint-Joseph. Voilà. Saint-Joseph, aussi bien le père adoptif de Jésus, et donc il peut tout à fait être père tout en ayant un enfant d'adoption, parce qu'encore une fois, la famille de sang est une image de la famille spirituelle à laquelle nous sommes appelés, et qui est la vraie, l'unique et la fondamentale famille humaine. Voilà, donc il nous offre, le pape François, une année à Saint-Joseph, donc on va pouvoir contempler, au travers de Saint-Joseph, ce qu'est la paternité autonomique. De la même manière aussi, on pourra contempler, au travers de cet artisan, ce qu'est une forme du travail qu'on peut avoir un peu oublié en Occident, au XXIe siècle, le travail simple, humble, avec ses mains, au contact du concret et du réel. Et peut-être qu'en améliorant notre compréhension de ce travail-là, à travers la figure de Saint-Joseph, nous pourrons aussi améliorer notre rapport au travail, quelle que soit sa forme.
de bien-être ici et maintenant. En fait, entrer dans la dynamique familiale et vouloir fonder aussi une famille, que ce soit une famille spirituelle ou une famille de sang, c'est véritablement répondre au projet de Dieu. Alors je vous le dis, n'hésitez pas à vous engager dans vos familles, aussi bien vos familles de sang que vos familles spirituelles, pour réaliser le projet de Dieu que toutes et tous, depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis le Nord jusqu'au Sud, nous puissions reconnaître Dieu comme notre Père. Amen. Et voilà, on va chanter maintenant.
sa présence était vraiment palpable. Vraiment, nous on l'a ressenti ici et on est en paix. On peut dire que nous sommes en paix. Alors j'espère que vraiment vous aussi, de votre côté, vous avez pu sentir cette paix se déverser dans vos cœurs. La veillée va s'achever. Vraiment, on est un peu frustrés. Donc, vous allez pouvoir qu'on est un peu timide parce qu'on n'a pas l'habitude de ne pas vous voir. Vous nous manquez, frères et sœurs. Vraiment, avec ces bandes vides, on a un peu de mal. Et on espère vraiment en prie pour qu'on puisse se voir très bientôt. Juste avant de clôturer cette veillée, restez connectés, suivez, parce que bon, on espère que la prochaine veillée qui aura lieu en janvier pourra se faire en présentiel. Si ce n'est pas le cas, ben, ça sera de nouveau en direct. Merci de vous être connectés, merci d'avoir pris ce temps. Nous laissons la parole au Père Thomas. Voilà, juste pour une annonce, deux bien sûr. La première, c'est de remercier encore Ivana, un grand bonheur de voir que vous priez avec nous ce soir. La seconde annonce, c'est que on entend souvent dire qu'il faut sauver Noël. Voilà, et on a l'impression qu'effectivement, le fait que le 24 décembre au soir, il n'y aura pas de couvre-feu, bah, ça sauvera Noël. Ça sauvera effectivement probablement quelques relations familiales qui auront bien besoin de ce moment commun pour pouvoir se renforcer. Mais c'est surtout Noël qui nous sauve. Noël nous sauve non seulement parce que nous savons que c'est le jour où on célèbre la naissance du Sauveur, mais Noël nous sauve parce que précisément Noël nous conduit à aller toujours vers ceux qui ont besoin de nous. Voilà. De la même manière que Dieu est venu auprès de l'humanité parce qu'on avait besoin de lui, et bien de la même manière, dans le même mouvement, on est invité à aller auprès de ceux qui ont le plus besoin de nous. Noël nous sauve, c'est le nom d'une opération qu'on va mener les 19 et 20 décembre à Clichy. L'opération Noël nous sauve, c'est vous allez pouvoir aller chez les commerçants de Clichy pour trouver quelque chose à offrir aux plus pauvres de Clichy. Voilà. Et vous pourrez remettre ça, place des martyrs, le 19 et 20 décembre, à un collectif d'associations qui va accueillir ces présents que vous allez faire et pouvoir les distribuer aux membres qui les accompagnent dans leurs associations. Mais ce ne sera pas simplement on achète un cadeau, on vient déposer un cadeau, bien sûr que non. C'est aussi l'occasion de pouvoir se saluer, faire la fête ensemble, alors pas une grande fête parce que les conditions sanitaires ne le permettent pas, mais boire un café, pouvoir écouter de la musique, échanger des nouvelles, voilà, et tout ça sur ce fond-là, Noël nous sauve. Alors si vous voulez plus d'infos, et bien, vous allez sur le site internet de la paroisse, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, vous avez toutes les informations, et sinon vous tapez simplement sur votre moteur de recherche, Clichy, Noël nous sauve, et vous allez trouver. Alors n'oubliez pas de vous laisser sauver par vous.